Jérémie 23, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé les méchancetés, dit l'Éternel. Voyez, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison. Donc, tous ceux qui se disent pasteurs, apôtres, révérends, bishops, maréchal, pasteurs des pasteurs, peu importe vos titres, prophétesse, peu importe vos titres que vous faites là, vous êtes tous corrompus. Je le dis, aucun de vous n'a le Saint-Esprit. Je le répète et je pèse mes mots. Aucun de tous ceux qui se disent pasteur, révérend, homme de Dieu, n'a le Saint-Esprit. N'a le Saint-Esprit. Car si vous avez le Saint-Esprit, vous allez il va vous faire sortir directement sur ce nom de JC-là. Il va vous révéler la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que vous prononcez encore le nom de JC-là, que vous acceptez toujours ça, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Tant que vous adhérez encore à ces hérésies de Maman Kato, la dîme, toutes ces choses-là. Déjà, vous parlez de, c'est quoi déjà? La Pâque. Donc, tu dis, faites encore la Pâque. La Pâque, c'est un mensonge. Puisque l'origine de la Pâque, pas dans d'autres religions, mais l'origine de la Pâque biblique, je dis bien dans la Bible, c'est pour commémorer la sortie des enfants d'Israël hors de l'Égypte, de l'esclavage. Or, j'ai démontré déjà par l'Esprit du Père que les 400 ans d'esclavage n'ont jamais eu lieu en Égypte. Ça ne tient pas la route. Donc, cette Pâque-là, elle est fausse. Tant que vous faites encore vos fêtes-là bizarres, la Pâque, la fête des Pentecôtes, tout ça là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Cette vidéo, si peut vous choquer ou pas, je ne fais que dire ce que le Père m'a demandé de dire. Donc je répète encore, tous ceux qui se disent pasteurs dans les églises là, n'ont pas le Saint-Esprit. Je m'adresse à vous. Vous qui dites que vous êtes des hommes de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas, car je sais qui est qui. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui viennent prêcher sur Internet là, tous ceux qui viennent crier dans les métros là, « Oh, JC vous a sauvé, venez à JC !» Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce sont des sensations que vous ressentez. En fait, c'est Satan qui vous attrape. Vous êtes des marionnettes. Il vous fait comme ça là. Pop, pop. J'y sais. Il vous tourne comme ça là. Et vous ressentez des sensations que vous êtes dans la vérité. Ceux qui sont en Inde, eux aussi ont des sensations. Pour eux, c'est même les plus grands croyants du monde. Je dis bien les plus grands croyants du monde. Les plus grands croyants à fond, ce sont ceux qui sont en Inde. Et ne vous y trompez pas. Enfin, je connais les Indiens. Je connais. Je connais des Hindous.